Salut tout le monde, c'est moi encore. Je suis de retour avec une autre vidéo. Je m'appelle Angélique et sur cette chaîne, je fais la plupart de mes vidéos en anglais. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Et si vous retournez encore une fois, merci beaucoup pour votre support. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une coiffure simple que j'ai faite sur les cheveux de ma fille qui a 6 mois. Si vous souhaitez voir comment je fais cela, restez connecté. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré sa routine de jour de lavage ou son wash day routine. Si vous souhaitez regarder cette vidéo, veuillez cliquer sur le lien en haut à droite ou dans la zone de description. En tant que coiffure, je garde cela simple parce qu'elle n'est que petite. Alors pour hydrater ses cheveux, j'applique mon revitalisant sans rinçage ou mon leave-in conditioner que je n'ai pas encore lancé et ça vient de ma marque propre qui s'appelle Arrosé. Je vais aussi laisser le lien dans la zone de description. Pour retenir l'hydratation, j'utilise une huile comme Celan. L'huile que j'utilise est celle que j'ai créée dans l'une de mes vidéos précédentes. Et si vous êtes encore intéressé à la regarder, à la visualiser, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais aussi laisser dans la box ou la zone de description. Je recommande vraiment cette huile car elle m'a beaucoup aidée. Elle est vraiment tellement merveilleuse. N'oubliez pas d'être doux et très doux en faisant cela. Les choses ne doivent pas être parfaites et les lignes ne doivent pas être droites et nettes. N'oubliez pas qu'elle est petite et qu'elle n'est pas habituée à la douleur. Alors, soyez doux. Pour moi, au cours de cette coiffure, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour la nourrir et juste lui donner des petites pauses. Jouer parce qu'elle n'est pas habituée à ce genre de choses. Pour cette coiffure, je n'utiliserai que ces élastiques à cheveux colorés. Ils rendent la coiffure plus mignonne. Thank you.
Alors la famille, c'est tout de moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous trouvez ces informations utiles, veuillez me faire part de vos réflexions dans la section commentaires en dessous. N'hésitez pas à aimer également cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre visite. Jusqu'à la prochaine fois en famille. Au revoir. Bye bye. I love you all.